Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo du calendrier de l'Avent. On est le 1er décembre, la machine est lancée. J'espère que je vais tenir jusqu'au 25. Franchement, je garantis rien, mais j'espère vraiment y arriver. Ce serait un truc de ouf, mais je doute fortement de mes capacités à réussir à faire 25 vidéos tous les jours. Ça va être hyper compliqué, mais c'est pas grave, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo où on va faire un bond dans le passé. On va retourner à début octobre où j'ai vlogué la journée de mon essai de sel forestier. Cet sel forestier, c'est le cadeau de Noël que je me fais de moi à moi, et donc du coup, je trouvais que c'était sympa de commencer le 1er décembre par vous présenter le cadeau de Noël que je vais avoir, que je me suis offert à moi-même. Et donc voilà, du coup, on va repartir à début octobre quand Alexis, le sellier, l'expert de chez Forestier, est venu à la maison me faire essayer du coup une selle de dressage et pour l'adapter sur mesure au dos de soleil et à mes petites fesses. Voilà, on retourne en arrière, c'est parti, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous dis à demain. Yo les gars, comment ça va aujourd'hui? Moi, tout va bien, on me demandait pas ce que je fais assise par terre. Moi-même, je n'en sais rien. Bref, aujourd'hui, nouveau petit vlog. Je vous retrouve parce que aujourd'hui, ça fait déjà 10 fois que je dis aujourd'hui, vous noterez, c'est un grand jour. C'est un grand jour grâce à vous, car je suis officiellement intégrée à la team Forestier Sellier. Donc aujourd'hui, on a le commercial de chez Forestier, donc le monsieur qui vient faire les prises de mesure, etc., pour faire une selle sur mesure de dressage à soleil à moi, qui va passer à la maison. D'ailleurs, il va arriver dans quelques minutes, il va falloir que je me dépêche. Franchement, ça c'est grâce à vous. Là, les 50 000 petites personnes qui sont cliquées sur s'abonner à la chaîne, c'est grâce à vous que j'ai ça. Enfin, c'est assez ouf, un partenariat avec une marque aussi prestigieuse de sel. Enfin, c'est dingue. Et à aucun moment de ma vie, j'avais envisagé ceci en étant seulement une pauvre petite cavalière de CCE en club 1. Clairement, c'est juste dingue. Et vraiment, c'est ouf. Enfin, c'est un partenariat de malade. Il y a plein de trucs qui vont arriver avec eux. Là, je vais partir au Lion d'Angers. Bon, je pars au Lion d'Angers sans Forestier de base, même si je vais les croiser là-bas. Mais ils nous ont surtout invités à Pau avec Mareva le week-end du 27 octobre, un truc comme ça, pour le 5 étoiles de Pau. Donc, on a invité là-bas un concours de malade, quoi. Enfin, ça va être ouf. Ça va être dingue, ça va être génial, ça va être taré, enfin bref, j'ai trop hâte d'y être. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui vont se faire avec Forestier et ça fait vraiment un tremplin de dingue. Ça faisait un moment qu'on était en discussion et tout, et genre là ça y est, c'est le jour J, aujourd'hui on va faire les prises de mesure pour la selle et c'est c'est ouf, enfin vraiment, je suis trop contente. Voilà, voilou. Ensuite, une fois que le monsieur de chez Forestier il sera venu, faudra que j'aille chercher mes bottes parce que je me suis commandé une paire de bottes sur Prépisport parce qu'elles étaient grave pas chères. Enfin, je les ai payées 100 €, et donc ce qui est relativement pas cher pour des bottes d'équitation en cuir. Enfin bref, voilà. Voilà, voilou. En gros, comment ça va se passer? Donc, je vous emmène avec nous pour cette petite journée essai de sel, essai de bottes. Je pense qu'après, je vais faire un peu de travail à pied avec Sango parce que là, on s'y est mis vraiment. Ça, c'est bon, il sait pas faire grand chose, je sais pas faire grand chose non plus, mais on arrive à faire la jambette et le cabré, ma foi, ça me va bien, mais bon. Bref, je vous emmène avec nous, je me relève, c'est parti. Il y a beaucoup de vent, je sais même pas si vous m'entendez, comme d'habitude, mais il y a monsieur de chez Forestier qui est arrivé, du coup, je vais vous filmer tout ça. Alors du coup, pour commencer, Alexis me présente les trois cuirs que Forestier propose pour mettre sur ses selles. Donc que ce soit sur les selles d'obstacle, de dressage ou de cross, y a le choix entre ces trois différents cuirs. On a le cuir grainé, on a le cuir de veau et le cuir de buffle. Et on a le choix entre quoi comme couleur du coup, enfin noir? Alors noir ou marron. Donc après avoir vu les trois différentes formes de cuir qu'il peut y avoir sur les selles, Alexis me présente ce qui m'intéresse le plus, à savoir la selle de dressage de chez Forestier. Donc c'est le modèle Aaron, j'espère que je le prononce correctement. Et donc en fait c'est un modèle qui est 100% personnalisable, donc au final il s'adaptera parfaitement à moi. Donc voilà, c'est le seul modèle de selle de dressage qu'ils ont, mais en fait on peut vraiment tout adapter dessus et ça c'est trop cool. Donc comme on voit sur la selle d'essai, là il y a une grande bande de velcro pour pouvoir installer tous les taquets, parce qu'il y a 20 sortes de taquets différents, donc il y en a forcément un qui va finir par s'adapter à mes petites gambettes. Il me présente vraiment toute la selle et comment elle est dessinée pour le confort du cheval et du cavalier. Et après on a fait un gros travail au niveau des matelassures.
fait, pour que les selles posent de manière uniforme sur le dos des chevaux, on a découpé les panneaux dans le sens du dos des chevaux. C'est des panneaux anatomiques. Ouais. Voilà. C'est plus des panneaux qui sont ronds. Oui, ils sont beaucoup moins arrondis, là, ils sont vraiment plats, quoi. Exactement. C'est vraiment pour que ça pose à plat et répartir le poids du cavalier sur le dos des chevaux. Voilà. Avant de passer à l'essai pur et dur de la selle, Alexis me présente ce qu'il y a à l'intérieur de celle-ci, donc à savoir les mousses qui vont permettre d'amortir les vibrations que provoque le cavalier sur le dos du cheval et également le confort du cavalier. Donc la mousse blanche, c'est celle qui était utilisée dans les anciennes selles forestières, dans les anciens modèles, ce qui n'est plus utilisé du tout à l'heure actuelle. Et la mousse rouge, c'est la nouvelle mousse, donc c'est la technologie F-Shock. C'est quelque chose qui permet vraiment d'amortir considérablement toutes les vibrations et toutes les secousses que va provoquer la selle sur le dos du cheval. C'est assez impressionnant quand on utilise la balle de golf et qu'on voit le nombre de rebonds qu'elle fait sur l'ancienne mousse et le nombre de rebonds qu'elle fait sur la nouvelle. On voit que l'amorti est complètement différent et complètement amélioré surtout. Donc là, en gros, on a vérifié que la selle en elle-même allait bien au taux de soleil, donc en soi elle s'y adapte très très bien. Et maintenant on va pouvoir passer sur les essais avec les différents taquets, sur ce que moi me convient le mieux, ce que je préfère, etc. Et pour l'occasion, on a un magnifique tapis de chez Kramer aux couleurs de forestier, si ça c'est pas beau, franchement. Bon bah voilà, du coup on a trouvé la selle qui me correspond et qui correspond à soleil. Bon alors soleil, pas très compliqué à habiller, sauf qu'on a rajouté 10 mm de matelas sur, alors on les voit pas bien, mais en gros là c'est comme ça, et ensuite ce sera évidemment intégré à la selle quand ma vraie selle sera faite, parce que là je leur dis mais c'est la selle d'essai. Et ensuite au niveau du taquet, bah on part sur un plutôt gros taquet, parce que j'ai besoin d'être bien maintenue dans ma selle. Et donc voilà, en gros ça va donner ça. Et puis bon, bien sûr, quand la selle finale sera faite, il n'y aura plus le scratch et tout. Mais en gros, ça donne quelque chose comme ça. Bon, bah, du coup, le monsieur de chez Forestier est reparti, il s'appelait Alexis, t'es très gentil. Donc voilà, on a fait du coup la selle sur mesure au dos de soleil et de moi-même. Et, en gros, la selle, trop bien, vraiment, mais d'un confort, un truc de ouf. Bon, soleil n'est pas très compliqué à habiller, donc... comme vous avez vu, on a juste rajouté une petite mousse au niveau de l'avant de la selle pour rééquilibrer avec l'arrière, mais il n'est pas du tout compliqué, donc voilà, c'était assez simple. Et de toute façon, on m'a toujours dit que soleil était très très simple à vêtir. Et moi concernant, on a pris du coup un taquet très long pour pouvoir, et assez épais pour pouvoir bien englober ma jambe, parce que j'aime vraiment être très très maintenue dans mes selles de dress. J'aime être calée et ne plus bouger, donc voilà, avec un taquet légèrement reculé pour positionner mieux ma jambe. Et franchement, trop bien, j'ai trop hâte de la recevoir, ça va être pépite. Et du coup il y a plein de trucs qui vont se mettre en place, mais il y a certainement des chances pour que j'aille dans les locaux de Forestier pour peut-être faire un petit peu ma selle moi-même, ce serait ouf. Donc voilà, là elle est partie pendant 12 semaines en fabrication, va falloir attendre, ça va être long, j'ai trop hâte. Voilà, voilou. Bref, donc maintenant on va aller chercher mes bottes et ensuite on va aller s'occuper des poneys, enfin de Son Goku, parce que du coup Soleil il a été sorti, mais Son Goku non, donc voilà. Et voilà, j'ai récupéré mes bottes. Du coup, faisons ce petit unboxing, moment de vérité. J'avais commandé des bottes sur internet, c'est une très mauvaise idée, mais bon, c'est pas grave. Je les ai payées 100 €, donc ça valait le coup. Oh, elles sont belles. Tada! Bon, c'est le moment de vérité. Il y a une chance sur deux pour que ça m'aille pas. Alors, on va d'accord. Ich, on va se mettre debout. Mais nickel! Oh, elles me vont! Quel plaisir! Oh, elles sont trop belles! J'adore! Tadam! La classe à Dallas! Oh oh! Oh, je tiens pas trop! Je galère plus à les enlever qu'à les mettre! Voilà. Trop cool!